Genre, organiser des soirées électorales comme celle-ci, en quoi réside la difficulté? Là, pour le coup, enfin, j'ai organisé quelques soirées électorales déjà. Là, pour le coup, ce qui est difficile, c'est surtout la transmission des résultats pour les élus. Parce qu'en fait, l'idée quand même de cette soirée, c'est d'inviter quand même pas mal d'élus à réagir, à commenter les premiers résultats. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient ces résultats. Et la réforme territoriale est passée par là. Et donc, pour que ces élus aient ces résultats, il faut qu'ils aient les résultats de toutes les communes de leur canton. Et ça, c'est compliqué à obtenir au début de tranche. Donc la difficulté, c'est de lisser tous ces candidats qui vont venir pendant cette soirée électorale pour qu'ils viennent à des tranches différentes. Or, tout le monde veut venir à la même tranche entre 21h15 et 22h. Et là, ça va être un vrai casse-tête pour celui qui va accueillir et qui va faire la gestion de ses invités effectivement dans cette tranche. Voilà la grosse difficulté parce qu'il faut aussi qu'on respecte l'équilibre politique sur le plateau. Et ça, c'est une grosse, grosse difficulté de la soirée. Alors, on va voir. Ça va être la surprise de la soirée.